Cap au Nord pour sept marins-pompiers de Marseille. Ils ont pris samedi la direction de la Laponie à bord d'un camion spécialement aménagé. Une fois sur place, ces sportifs aguerris vont tenter de rallier en ski nordique la mer de Norvège au golfe de Botnie. Un défi qui se veut tout aussi humain que pédagogique. À travers cette expédition, l'objectif est de sensibiliser le grand public aux effets de la dyslexie. Une classe spécialisée de l'école Sainte-Marie-Madeleine dans le 4e arrondissement a été associée à cette aventure. Cette aventure un peu folle est partie d'un enfant que j'ai eu il y a quelques années, qui maintenant est intégré dans un collège à la montagne. Un enfant dyslexique sévère aussi, qui ne savait ni lire ni écrire quand il est arrivé dans ma classe. Son père a été ravi de son passage à notre école et donc il m'a associé à son projet Cap au Nord. Donc une aventure humaine et à la fois pédagogique, puisque nous on récupère cette aventure pour en faire un support pédagogique sur Internet. Et donc nous partirons les rejoindre à l'arrivée le 22 mars, passer une semaine sur place ensemble, découvrir le site, faire quelques activités et en même temps accueillir l'expédition qui arrive à Tornio, une ville de Finlande.